Il en va aujourd'hui de la crédibilité de l'ONU et de la Cour internationale de justice. Ces deux institutions font face à d'importants défis puisqu'elles devront répondre aux demandes légitimes de la communauté internationale de soutenir les causes justes, notamment la cause palestinienne. Normalement, ces deux institutions ne doivent en aucun cas s'opposer aux libertés et droits fondamentaux des peuples protégés et les conventions internationales.